petit réveil en douceur. Et oui, on fait avec les moyens du bord, hein. Le gamin n'est pas là, je prends son lit. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans notre ferme, dans notre corps de ferme. Et on est parti pour continuer cette petite aventure tout doucement à rénover notre ferme. Je vais direct prendre mon outil. En tout cas, je suis désolé les gens pour la dernière fois sur cette vidéo. Parce que si vous voulez, j'avais eu un problème avec mon micro. D'ailleurs, je l'ai toujours, c'est qu'en fait, mon câble, il est à moitié secoué. En fait, il est même complètement secoué. Et si vous voulez, dès que je le bouge un petit peu, ne serait-ce qu'un millimètre, ça fait des espèces de grisillements. Voilà. Voilà, c'est tout. Tout le monde s'en fout, et ben c'est pas grave. Je vais voir ce qu'il y a à réparer ici. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Je vous avoue que j'ai pas encore eu vos retours sur le jeu, puisque je tourne cette vidéo à la suite. J'avais envie de faire une petite partie, je voulais pas en rester là. Tiens, on va réparer ça tranquillement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, messieurs, dames? Je pense qu'on va s'attaquer un petit peu à la rénovation de chez nous. Ce serait pas mal. Plutôt que d'aller chez notre très cher Olivier qui demande qu'on y répare toute sa baraque... On va réparer un petit peu ce qui se passe chez nous. Je pense que pour commencer, on va s'attaquer à l'étable. Par la suite, si on peut acheter des animaux. Donc, on va faire le tour tranquillement. Et on va rénover tout ça. Ah là là, regardez ça. C'est tout pété à l'intérieur. Il y a tout à refaire. Bah, tu m'étonnes, mon vieux, qu'ils sont pas bien, les bestiaux là-dedans. Je les comprends mieux. Voilà, ça, c'est bon. Faut surtout qu'on fasse attention à notre santé. Voilà, qu'on veille à bien manger, à bien dormir. Donc pour l'instant, ça va, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a à refaire, ça? Voilà, un petit coup de truelle à passer ici, c'est parfait. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à refaire, hein, voyez. Je crois que le toit, il est complètement mort. Ah putain, faut réparer ces trucs-là aussi. Ah bah vas-y, c'est parti. Ah ça, ça prend pas mal d'énergie par contre, 4 planches. Bon, on va s'occuper un petit peu de tout ça, et puis ça devrait le faire. Alors je sais pas du tout par la suite comment que ça va se passer, si on va pouvoir acheter des animaux et tout. Bah je pense que oui. Mais par contre, je sais pas du tout comment ça va se dérouler, quoi. On est encore au tout début du jeu. Le toit. Ah bah oui, bah le toit, il est complètement... Il est rincé. Au niveau de l'intérieur, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des échafaudages d'or, histoire de monter sur le toit. Voilà, si on peut faire comme ça. Voilà, ce sera parfait. C'est nickel. Impeccable. Ah ouais, le toit, il est... laisse tomber. Ah bah, attends. J'ai... Ah ouais, ok, d'accord. Tu répares... ok. Tu répares tout avec le même outil. Je pensais qu'il aurait fallu acheter des tuiles ou je sais pas. Mais voilà, bah si c'est comme ça, écoutez. C'est parfait, hein. On a la serre aussi à réparer de l'autre côté. Si on veut faire pousser 2-3 cultures. On va pouvoir faire des petites soupes et tout le soir. Au chaud, tranquillement. Et bah voilà, je pense que c'est impeccable. La grange est complètement rénovée. Enfin, l'étable. Récompense. Vous avez réparé votre étable. Félicitations. Vos voisins apprécient votre travail. Vous recevez 5000 points sociaux. Ouais, en face, c'est tout mort aussi. En tout cas, la grange là. Putain, mon vieux. Oh, ça va, il a les jambes costauds, mon vieux. C'est un fermier. Costaud, les fermiers, non? Et bah voilà, c'est parfait. Ça, ça me plaît. Aïe, 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 aïe. Je pense que maintenant, on va s'attaquer à la grange. Ouais. Et on va commencer directement par le toit. C'est parti. Par contre, ça fait un peu bizarre. Il y a des tuiles ici, mais il n'y a rien ici. À mon avis, peut-être que plus tard, il y a moyen... je sais pas. Il y a peut-être moyen d'acheter d'autres matériaux ou quoi. Attends. Ici, c'est tout mort. Laisse tomber, mon vieux. Mi-fermier, mi-ninja. C'est un mélange d'Assassin's Creed et Farming Simulator. Le mur, il est tout pété. Là, je pense qu'au niveau de l'extérieur, on est bien. On va passer à l'intérieur, parce que je pense qu'il y a quelques travaux à faire à l'intérieur. Ah oui, quand même. Il y en a même pas mal. Oh putain, merde, j'ai pas... Il me reste quoi à réparer, là? Ah ouais, juste en haut, ok, d'accord. Entrepôt de paille, stockez vos ballots à l'abri de l'humidité pour éviter qu'ils pourrissent. D'accord. Et oui, c'est sûr qu'on peut pas moissonner les champs de blé pourris. Ça, je le sais maintenant. Petite dédicace, si vous avez vu la vidéo sur farming. Ici, vas-y, fais péter ça. Voilà, yes. Normalement, ok, 5000 points sociaux encore de prix. Vos voisins apprécient votre travail. Je pense que maintenant, on va se débarrasser de ça. Hein. Hop, on va retirer ça et on retire ça. Ça a tout de même un petit peu plus de gueule, j'ai envie de dire, non? Le poulailler, je l'avais pas vu celui-là la dernière fois. Ah ouais, puis mon vieux, il est dans un piteux état, celui-là. On va réparer tout ça.
vos volailles vivent ici. Veillez à entretenir régulièrement ce bâtiment pour que vos animaux bénéficient de conditions d'élevage optimales. Poule 0, nourriture de poule 100 kg. C'est sûr qu'il y a plus de bouffe que de poule là pour le moment. Bon, je crois qu'on est parti pour s'attaquer au garage. Et je peux vous dire que là, il y a du boulot. Hein. Voilà, nickel. Par contre, je crois qu'on va prendre une petite pause casse-croûte, là. Parce que depuis tout à l'heure, il est en train de me dire qu'il a la dalle. Et oui, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se manger... On va se manger une petite boîte de poisson. À la sauce tomate. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça remonte bien? Ouais, ça a bien remonté, ça va. Et on va prendre quand même une petite gouliche de lait. Histoire de... Voilà, c'est pour le dessert. Petite gourmandise. Alors, on va faire un petit bilan. Le garage, c'est bon. L'entrepôt de paille, c'est bon. Les tables, c'est bon. D'ailleurs, on va retirer ça. Voilà, parce que ça sert plus à rien. Donc, la maison, je sais que c'est pas bon. Le poulailler, c'est bon. Les palissades, la barrière à l'avant, c'est bon. Eh ben écoutez, il nous reste plus que la baraque. Et je pense qu'on aura retapé toute la ferme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la baraque. Allez, c'est parti. Ah yes, 10 000 points sociaux. Vous avez réparé votre maison. Je crois que j'ai même fait toute la ferme, non? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié la serre. La serre, c'est bon, c'est réparé. Succès, farm builder. Eh ben, je suis bien content, tu vois. Et maintenant, du coup, on va pouvoir utiliser réserve de plantes. Réserve de plantes. Utiliser plantes courgettes stockées dans la serre, 0 unité. Ah, d'accord, nous, on a que des plantes tomates. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 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 ça va pas. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a 10 plantes tomates. C'est parfait. Est-ce qu'on avait autre chose des fois, non? Non. Voilà, mission terminée, nidouillé. Vous recevez 20 000 points sociaux. Yes! Eh ben, c'est parfait. On va pouvoir sortir notre petit tracteur et tout. Oh là là, ça faisait tellement longtemps que j'attendais de le sortir. Oh, c'est tellement excellent, mon vieux. Je vais chialer, moi, avec ça dans les mains, là. Est-ce que ça va dans l'eau, d'après vous? Moi, je pense, hein. Oh, arrête, dis-moi pas quoi. On peut faire du bateau? Ça, bah oui, bah bien sûr que ça passe dans l'eau, mon vieux, c'est un tracteur. Oh, vous avez noyé votre moteur, votre véhicule est immobilisé. Oh non! Putain, j'ai fait le con, là. Attendez, je m'en fous, j'ai sauvegardé juste avant. Ah, j'avais sauvegardé! Ah non, y a pas moyen, c'est mort, attends. Je perds pas le tracteur. Attendez, par contre, ça se trouve, y a moyen de pêcher ou quoi? C'est peut-être parce qu'on n'a pas de canne à pêche ou quoi? Regardez, l'autre, il était bien en train de pêcher, là, Olivier. Bon, allez, je me casse. Je vais aller voir le voisin. Nouvelle mission. Parlez à l'inconnu. Vous remarquez un inconnu au bord de la route. Il attend visiblement quelque chose de votre part. Allez lui parler. Ah ouais. Ils sont comme ça, ici. On se connaît pas, rien, on s'est jamais vu, mais il attend quelque chose de moi. Et qu'est-ce que t'attends de moi? Salut, je m'appelle John. Si tu cherches à faire des affaires dans le coin... Ah ouais, quel genre d'affaires? Je vois, qu'est-ce que tu vends? Un peu de tout et de rien. Des clous, du savon. Ah ouais, non, non, moi je touche pas à ça, les gars. J'achète aussi de la nourriture, sait-on jamais, rien d'extraordinaire, mais des pommes, du poisson, des champignons, peut-être, tu vois l'idée? Non, non, mais lui, c'est un trafiquant, mon vieux. Ok, c'est bon à savoir. Allez, à plus. Tu sais où me trouver? Bah ouais, mon vieux, bah regarde ça, les marques qu'il a sur les bras, toi. On parle de champignons, de je sais pas quoi. Mission terminée, parler à l'inconnu. Eh bah oui, tiens. Alors, on va aller voir quand même ce que t'as à vendre un petit peu, parce que ça m'intéresse quand même. Si t'avais des petits plans des fois, des plans de courgettes, des trucs comme ça là. Des cartes postales, mais ça je m'en fous ça. On a 520 balles sur nous. Un cadeau luxueux qui fera plaisir aux femmes, tu m'étonnes. Une petite bouteille de parfum, 264 euros. J'espère qu'elle est pas senteur fumier celle-là. Une petite praline, 144 euros, ça fera plaisir aux femmes. Ah ouais? Écoutez, on va y acheter des courgettes, déjà. On va y acheter, je te prends le tout. Vas-y, je te prends toutes tes courgettes, toutes tes pommes, toutes tes citrouilles. Et je vais te prendre également une petite rose. Eh ouais, alors, monsieur se sent d'humeur charmeuse aujourd'hui. Allez, salut! On part sur notre petit tracteur. Alors, on ouvre la map. Où est-ce qu'on est? Concessionnaire, d'accord. Attendez, c'est où chez nous? Ça, c'est chez Clara, d'accord. Vous remarquez une femme près de sa ferme. Vous devriez peut-être aller lui dire bonjour.
Pas pour l'instant, j'ai pas envie d'y dire bonjour. On va se rendre chez Clara, je pense. Voilà, on va mettre un petit point sur la carte. Et c'est parti, roulez pimpin. Oh putain, il y a le turbo, mon vieux. Non, il n'y a pas le turbo, c'est pas possible. Allez, régulateur de vitesse. On allume les phares. Non, il n'y a pas besoin. Régulateur de vitesse, mon vieux. Voilà, c'est parti. Ouh là là, ça roule tellement vite. Putain, quand t'appuies sur le champignon, mon vieux. Oh, attendez, on passe en vue intérieure. Voilà, un petit coup de Need for Speed. Oh, dans les ruisseaux, ça passe, hein. Regardez, regardez quand que ça passe dans les ruisseaux. Oh là là, c'est tellement bien. Oh là, comment qu'il passe partout, ce tracteur. Par contre, il avance pas, quoi. C'est ça qui est un peu... Pff, laisse tomber, des fois, c'est chaud, mon vieux. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous remarquez une femme près de sa ferme. Vous devriez peut-être aller lui dire bonjour. Et pourquoi pas? Et monsieur va faire mieux que ça. Monsieur va certainement lui offrir une rose si elle est sage. Salut toi, ça te dit... Oh merde, j'ai pas vu. Mon frère bosse à l'étranger, il était censé rentrer la semaine dernière, mais son contrat a été prolongé. Ah, il faudrait labourer et hercer un méchant. Tu penses que tu pourrais t'en charger? Bien sûr. Utilise la vieille charrue qui est là-bas, près de la grange. Tu pourras la garder quand tu auras terminé. Mon frère a l'intention d'en acheter une nouvelle de toute façon. Ça, ça m'intéresse. Je ne te promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Mais dis-moi, ma petite dame, comment ça va pas maintenant? Ah ouais? Et si je te donnais ça, ma petite? Alors? Attends, est-ce que je peux prendre la rose dans mes mains? Non, attends, peut-être pas y offrir un échafaudage, non? Non, bah non, bah je sais pas. Un joli cadeau qui plairait aux femmes. Bah tiens, prends-la! Non? Bon, bah là, on veut pas. C'est pas grave. On va faire la mission. Allez, c'est parti. Mission ou la charrue? Ouh là 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 là, vas-y, je vais labourer ton champ, mon vieux. Et alors, pour 2 secondes, tu vas voir. Avec mon taco, là. C'est moi qui ai laissé les traces de tracteur. Ah ouais, c'est excellent, putain, ça laisse des traces et tout. Par contre, comment je vais atteler ça, moi? Attends, recule, recule, stop. Atteler. Voilà, je vais le labourer, moi. Tu vas voir. Baissez la machine, par contre, c'est où qu'il faut labourer? Ah ouais, c'est là. Oh, ça va, c'est une petite parcelle. Hein. C'est tranquille, je pense que ça va aller vite. Eh ben mon vieux, j'ai bien cru que j'allais jamais finir de le labourer. Ah c'est que je commence à attaquer la roche là. Ah bah oui, bah il est bien labouré. On va aller la voir, putain, laisse tomber. Je t'ai fait un terrain de cross là-dedans. Eh oui, c'est qu'il fait nuit maintenant. C'est ça l'histoire. J'espère que t'as une bonne récompense. Bah je crois que la récompense c'est qu'en fait je garde la charrue. Hein. Attendez, elle est là-bas. On va aller la voir. Alors, dis-moi tout ma petite. Attention. Voilà. Comment ça, on se parle plus tard? Et si je te donne une petite rose? Putain, je comprends pas, je peux pas la prendre la rose. Et si je t'offre un échafaudage? Alors? Non? Bon, et bien écoutez, on a notre petite charrue. Donc, c'est cool. Voilà. Et ben maintenant, je la garde. Mission de Clara. Pour hercer le champ, utilisez votre propre herse qui se trouve dans votre grange. Donc, nous, faut qu'on se rende ici. Attendez, on va allumer les phares déjà. Voilà. Est-ce qu'on peut couper? Je pense que oui, hein. Voilà, hein, c'est pas des cultures, ça, c'est de la mauvaise herbe. Hein. D'ailleurs, on va peut-être labourer un petit peu par ici, là. Voilà. Ça passe. Hop là, impeccable, nickel. Donc on se trouve actuellement... Ah d'accord. Je l'avais pas moi ça la dernière fois. On va ranger la charrue déjà. Voilà, on va aller au garage. Le garage, il est là-bas. On va garer ça dans le garage, tranquillement. Hop, 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 c'est bon. Et on va chercher l'autre. Nickel. Mission mise à jour. Clara, retournez voir Clara et hercer son champ. D'accord, très bien. On va aller voir Clara. Ah, il a déjà moins la gnaque que dans Farming Simulator, hein. Ah, oh, ça va. Il grimpe quand même, il grimpe. Alors, attends, je veux voir un truc. Ouais, par contre, on commence vraiment à être fatigué, quoi. On a plus de la moitié, là. Voilà, donc nous, on doit se rendre là-bas. Oh, à mon avis, ça traverse, hein. Ça va, c'est pas profond, non? C'est bon, c'est pas profond. Bah oui. Bon, bah du coup, on est parti pour hercer le champ, hein. C'est parti. Mission mise à jour, le vieux moulin. Vous recevez charrue et 500 points sociaux. Ah bah j'espère bien mon vieux, après tout ce que j'ai fait là. Où est-ce qu'elle est? Ah bah elle a arrêté de bosser. Elle est partie se coucher comme elle fait là. Allez tiens, regarde. Ça c'est cadeau ça, tu vois. Voilà. Voyez, j'ai du cœur. Elle va se réveiller, elle aura une ferme toute neuve mon vieux. Voilà, vous mourrez de faim. Vous pourriez manger une grenouille vivante. Rien que ça? Eh bah c'est parfait, on va peut-être pas y retaper toute sa ferme non plus, non? On rentre à la maison, c'est parti.
Ah bah voilà. Qu'est-ce que c'est bon de rentrer à la maison. Impeccable. On va les garer ça tranquillement. Oh, puis regardez ça, on a un nouveau truc là, non? C'est quoi ce nouveau truc derrière là? D'accord, c'est encore une machine. Bon, on va rentrer à la maison. On va aller se coucher tranquillement. C'est pas le tout, mais on a quand même bien bossé aujourd'hui. Allez, on ferme ça et on va dormir un petit peu. Ah, bah, ah non. J'ai cru qu'il allait dormir pendant 2 jours, mon vieux, cette fois-ci. Entrez, restez pour la semaine. What? Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter là pour la vidéo sur Farmers Dynasty. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis, vous me dites dans les commentaires si vous êtes chaud pour la suite. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye!